Bienvenue à toutes et à tous, c'est Monsieur Bobs, et bienvenue dans les escarmouches du Général Bobs sur Command & Conquer Generals RH. Deuxième escarmouche aujourd'hui avec, eh bien, une nouvelle map et un nouveau général, parce qu'on va pas tout le temps faire les mêmes, hein, quand même, ce serait bien de varier un peu. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme map? Toundra, elle est sympa, oui, je pense, assez classique quand même. Bah, elles ont toutes les cartes assez... Ah, Vallée Victorieuse. Ah, il me semble qu'elle est assez sympa celle-là. Allez, on va prendre Vallée Victorieuse, mais cette fois-ci on va pas prendre Général Blindé Chine. On va faire des 1 contre 4 pour l'instant. Vous inquiétez pas, ça va varier par la suite. On fera des 1 contre 6, 1 contre 5. Pour l'instant, on va commencer doucement. Non, pas de Chine cette fois-ci, pas envie. USA peut-être. Laser, non, j'arrive pas trop au laser. Super arme, je pourrais toujours vous proposer super arme, mais avouez quand même que ce sera un peu facile. Remarquez, on gagne pas tout le temps avec super arme. On gagne pas tout le temps. Mais disons que c'est assez simple, quoi. Armée de l'air, ouais, enfin, c'est des. On est quand même assez rapprochés. J'ai un peu peur de se faire détruire avant même qu'on ait installé notre premier aérodrome. Donc Chine, j'ai du pas envie, j'ai là. Allez, va pour Général Furtif, tiens. Allez, on est parti. On prend le prince Kassad. Et on est parti. Comme à mon habitude, ben on va faire de défense, hein, c'est clair. Ça ne veut pas dire pour autant que nous allons rien faire pour les abattre. Bien, on est parti. Hop, on va tout de suite nous camoufler. Enfin, tout de suite. Tant que tous les ouvriers sortent. Sortent de leur tanière. Alors. Donc le général adverse, il est là, quoi. Il est juste à côté. Ça va pas être simple, ça. Je sais pas trop où placer notre défense. Ouais, ça risque d'être pas simple, cette carte, hein. On a un peu de challenge, c'est bien, après tout. Ah bah, d'accord, ok. Ok, ça s'installe juste à côté. D'accord. Carrément, comme ça. Ok. Ah, ça s'installe, hein. Ça s'installe direct. Ok. J'ai compris. Ça risque d'être un front assez sympathique. Eh putain! Travaille toi. Alors, il nous faut une défense prête à tout. Alors, ils ne sont pas invisibles, donc ça veut dire que ce ne sont pas des furtifs. Tout le reste de la map est pour nous. Ok. C'est parfait. Scanner. Vite. J'imagine que là, il y aurait une course au puits de pétrole. Ah, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une course au puits de pétrole, une fois de plus. Au centre de la map. Voilà. La défense est placée. Vous deux. Il nous faut... Voilà, c'est parfait. On a enfin un visuel. Là, vous voyez, il y a des petits objets, là. Là, il y a des puits de pétrole, il y a tout le bazar. Là, nous avons un adversaire. Ok. Et ça s'amène. Oh putain, ça lag un peu. Ça lag beaucoup. J'aime pas quand ça lag. Ok. Très bien. Toi, tu vas te planquer. Vous deux, vous allez me prendre ça. Un palais. Il nous faudra des quads. Beaucoup de quads. Et des jeeps aussi. Ouais, des jeeps. Est-ce que je construis un deuxième trafiquant d'armes? Ah, ce sont des toxines. Un guerrier est tombé. Ce sont des toxines que nous avons à faire là. Un
C'est bon. Parfait, ça faisait capturer le bâtiment. Les Américains. Ça commence à s'exciter. Putain, c'est les toxines, ça c'est jamais bon les toxines. C'est jamais bon ça les toxines. Jamais bon. Vous deux, dans le réseau de tunnel. On risque d'avoir besoin de vous. Allez, 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 allez. Putain. Ça risque d'être compliqué, hein. Ça risque d'être compliqué contre les toxines. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Voilà. Il nous faut des renforts dans les tunnels. Les tunnels vont nous être très très importants. Le palais. Parfait. Marché noir. Nous avons repéré un canon à particules. Putain, un canon à particules déjà. Eh ben, perds pas de temps. C'est sûrement une super arme, faut dire. Des six scuds. On va en avoir besoin. Et le plus rapidement possible. Un guerrier est tombé. Voilà. Je vous remercie. Tiens-toi. S'il y a des ressources là. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ah, c'est dommage. Ah putain. Les jeeps. Oh putain. Oh cette vague. Allez, 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 allez. Défendez. Nous devons les empêcher. Allez, 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 allez. Là-bas. Marché noir, c'est très bien. Sauf que... nous avons besoin d'ouvriers là-bas. C'est là qu'ils ont l'air de renforcer leur tir. Et j'aimerais bien renforcer la défense. Le nouveau filet de camouflage est disponible. Pour l'instant, on tient bon. Et c'est pas encore ça. Le nouveau filet de camouflage est disponible. Un guerrier est tombé. Là. Il peut pas sortir. Vous avez vu, les défenses sont si près, c'est assez drôle. Là, toi. Nous avons repéré un canon à particules. Un canon à particules, qui me dit. Qui me dit. C'est des super armes, hein, je confirme. On tient bon. On va essayer de renforcer un peu la défense. Brouilleur GPS, sympathique ça. Un guerrier est tombé. Brouilleur GPS. Nous sommes invisibles maintenant. Invisible. Un guerrier est tombé. Putain. Ça attaque pas de partout. Donc ça va encore. Mais disons que ça manigance des choses. Un guerrier est tombé. Attaque! Allez, 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 allez! Il y en a un qui est en train d'entrer là. Le problème avec les toxines, c'est que ça tue les Sith Singer. Des buggies. Il nous faut des buggies. Il nous faut des buggies. Des buggies en défense, ça pourrait être pas mal. Ouais.
Ça pourrait avoir son petit effet. Ah bah alors, en tout cas, ils perdent pas de temps. Vous avez pris du galon. On va quand même construire un deuxième trafiquant d'armes. Soyez prudent. L'ennemi a construit un site scud. Hop, moi je le planque, mon site scud. Nous avons repéré un canon à particules. Le nouveau filet de camouflage est disponible. Voilà. On va le mettre en situation de protection. C'est du boulot. Parce que, ouais, allez, un max de site singer. On va éviter les réseaux de tunnels. On mettra que si vraiment c'est essentiel. Allez, on va mettre le maximum de Seed Stinger. Pas de Seed Stinger, mais... Si, un maximum de Seed Stinger et un maximum de Buggy. Et regardez. Voilà, ils sont pas utiles les Buggy, là. Bon, là, il va se faire détruire. J'ai envie de dire... Bon, c'était attendu. C'était attendu. Plus de quad. Plus de jeep, plus de quad. C'est bien. On n'a pas fini. Allez, allez, allez. Tiens, on construit un petit réseau de tunnels ici. Comme ça, bam, pour entrer directement dans le réseau de tunnels. Détruis-moi ce mec. Mais non, là... Voilà. Ah putain. Ça veut s'amuser les buggy là. Moi ce buggy là. Voilà. Non non attends. Là il y a des andouilles. Qui veulent jouer avec le feu. Voilà. Bien bien bien. Continue comme ça. Continue comme ça. Tenez bon. Tenez bon. Voilà, tenez bon, tenez bon. Tenez bon. Et tuez les émeutiers, tuez les émeutiers. Voilà. Intérieur. Bien. Bien, bien, bien. Buggy. Parce qu'on n'a pas les... Ah putain. Faut le forcing ici. Putain de bordel de merde. Vous pouvez pas arrêter. Tiens, à l'attaque. On va les occuper. Là-bas, on a perdu un site Stinger. Un guerrier est tombé. Allez, 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 allez. Là, l'armée. En train de se faire écrabouiller. Félicitations, général. Vous avez pris du galon. Un guerrier est tombé. On a foutu le bordel. C'est déjà bien. C'est bon, tiens bon, tiens bon. On a perdu quand même beaucoup d'hommes. Oh putain, German. Évidemment. Un guerrier est tombé. Ah putain, on a plus d'ouvriers. Oh putain. Toi. Yala. Voilà. Détruis-moi ça. Je me demandais quand est-ce qu'ils allaient le faire. J'ai eu ma réponse. Intérieur. Bien. Oh, que c'est beau. On va prendre nous aussi des sitskas dans la gueule, mais... Oh, mais attendez. Mais oui. On va faire un sacré bordel chez eux. Allez!
Allez, allez. Un sacré petit bordel. Avec une attaque furtive. Tenez bon. Allez. Une petite intoxication. Ah putain, ils ont une défense ici. J'avais pas vu. Rien à foutre. On sort. Un guerrier est tombé. Sortez. Allez, allez, allez. Ah putain, il y a un ennemi qui a été vaincu. Allez, nous aussi. Détruisez-moi ce truc. J'essaye, il y a encore le poison. Eh merde, bon tant pis. J'espérais que le poison ne nous emmerde pas trop. Mais finalement si. En même temps, on se retrouve sans armée. Il nous faut des quads, il nous faut des jeeps. Ah putain, il reste un buggy. C'était assez drôle ça. Rester un buggy. Général, un scud vient d'être lancé. Ah putain. Putain, on est repéré quand même. Merde. Bon, j'ai mal choisi l'endroit. Et on tire dessus. Ah putain, évidemment. Ah. Évidemment. Les oranges attaquent les bleus. Les oranges qui ont réussi à... qui ont réussi à éliminer les super-héros américaines. Oui, je sais. Je suis au courant. Allez. Oh, sérieux? Notre base est attaquée. Bon, ça va être détruit. Ça va être détruit. Les bleus vont être emmerdés vu qu'ils vont affronter les oranges. Oui. Là, j'avais un constructeur. Il n'est plus là. Pourquoi? Il s'est fait massacrer. Je comprends rien, là. Bon, il y a quelque chose qui m'échappe. Oui, c'est la GLA explosive, les oranges. La GLA orange, c'est la GLA explosive. C'est pas pour me me rassurer. Allez, il nous faut refaire une armée digne de ce nom. Ouais, c'était dangereux de mettre deux trafiquants d'armes côte à côte. C'était dangereux. Je l'ai fait quand même, mais bon, c'était dangereux quand même. C'était pas très indiqué. Bon, les bleus vont être occupés. Quant à nous, on peut construire un deuxième site scud. On peut se le permettre, on a plein de thunes. Ah ok, c'est en fait, il tue mon... Ok, il tue mon ouvrier, comme ça. Sans raison. C'est pas très sympa. Allez, termine. C'est fou ce que c'est lent. Un guerrier est tombé. Voilà. C'est fou ce que c'est lent. Ah putain, non. Restez ici. Restez ici. Voilà, on répare notre défense. C'est pas une grosse défense, hein, je le conçois. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais disons que c'est déjà bien. Un guerrier est tombé. Ah, c'est ça, c'est la GLA explosive. Ok, pas mal. Non. Je vais vous garder tous les deux là, vous m'êtes bien utile là. Restez vivant.
va te mettre ici. Sit Scud. Sur le palais. Lancement des Scud multiples. Ça va bien les emmerder. Ah d'accord, c'est les oranges qui s'incrustent. D'accord. Je croyais que c'était les bleus qui s'étaient incrustés chez moi. Allez! Prenez-vous ça dans la gueule. Vous, à l'intérieur de ce bâtiment. Bien. On se refait une petite santé, qu'en pensez-vous? Ouais, ouais, on sait. Il nous arrivera rien. Il nous arrivera absolument rien. Le carnet de commande est plein. Les bleus vont sûrement nous faire chier avec... Encore... Ah non, les oranges sont en train de faire le forcing, là. Ah putain, non. Ah putain, on est... D'où qu'on est repéré? Sérieux, qu'est-ce qui nous a fait repérer, là? Un Scud a été lancé. J'aimerais pas savoir, s'il vous plaît. Ah putain, il a été tiré là. Oh, ils vont le détruire. Ah putain, ils l'ont détruit. Sérieux. Tiens, on va essayer, allez. Allez, 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 allez. Vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Non, ils l'ont pas réussi. C'était pour voir. Ouais, fais-toi plaisir, German. Quant à nous, il y a une chose que je n'ai pas faite, qui serait sympa à faire. Voilà. C'était cadeau. Un guerrier est tombé. Il y a une chose importante qui serait à faire, c'est le brouilleur GPS. Et venez tous, venez, 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 venez. Voilà. Discrétion. Il ne nous voit pas. Maintenant, il nous voit. Maintenant, faut tirer. Allez-y, allez, 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 allez. Faut profiter de leur faiblesse. Putain de toxine. Voilà, bien. Les bleus sont en train de se faire massacrer, j'imagine, par les oranges. Ah non, putain! Enculé. Bon, on va devoir encore refaire une armée. Bon, c'est pas vraiment un problème, on a plein de thunes, mais bon, c'est chiant quoi. Voilà, détruisez-moi le poste de commandement. Putain, non! Les oranges, mêlez-vous pas de ça! C'est mon affaire! C'est mon affaire! Putain, vous avez vu ça? Ah, trop pas de bol, quoi. Voilà. Détruisez-moi ça aussi. C'est ma guerre. Là. Qui va gagner? Allez, c'est moi qui gagne. Il reste quoi? Il reste ça, oui, là-haut. Oui, oui. Là, il reste des bâtiments. Ah, ok, c'est qu'il peut détruire le bâtiment civil sans être touché. Enfin, si ça l'amuse. Ah, mais il reste plus rien là non plus. Je vais y aller. Non, attendez. Je vais y aller. J'ai pas la patience pour ça. Voilà. Bien. Ouais. On va aller par ici. Quant à nous, ben, on va devoir refaire encore une armée. Putain, fais chier. Fais chier, on était quasiment prêt là. Prêt pour une attaque dévastateur. Dévastatrice. Ok. Ici, il y a de quoi récupérer des ressources. Enfin,
des trucs sans être repéré apparemment. Donc c'est bien. Est-ce qu'il y a des ressources? Là, il y a personne. Personne n'a osé récupérer les ressources. On va avancer un peu. Skull multiple. Un guerrier est tombé. Sérieux? Ah putain! Je vois. Ça c'est mort. Ça aussi c'est mort. Il y a eu des combats par ici. Et il y a eu des combats. On va rentrer à la maison. On va faire une embuscade. Voilà. Messieurs, servez-vous. Alors il me semble... Voilà, il y en a un là-bas. On va envoyer des hommes. Les scud multiples, je ne vais pas les envoyer sur les bleus, je vais les envoyer sur les oranges. Parce que pour moi, ça me semble être l'ennemi, l'ennemi public numéro 1 maintenant. Général, l'ennemi utilise son attaque furtive. On va essayer de détruire le site scud. Les bleus, bah pour moi les bleus sont finis. Allez. Courage les amis, on est sur la bonne voie. Ah, est-ce que je peux tous les avoir? Non, je pourrais pas tous les avoir. On va essayer. Ah, presque tous. C'est parfait. Le grand Tord régnera. Il y a du pétrole par ici? Non, il y en a pas. Il n'y a rien du tout en fait. Nous avions nous le petit puits de pétrole qui était ici. Et voilà, plus de site scud orange. Il n'y en a vraiment pas par ici alors? Ah, c'est qu'il y en a un là-bas. On va y aller. C'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux, c'est vrai, parce qu'à mon avis il y aura des défenses. Et comme ils sont un peu cons les soldats, ils vont y aller, mais bon, c'est pas grave. Bien, messieurs. J'ai pas la patience pour en avant. Ça va, on a une bonne armée là. Vous savez quoi, on pourrait même encore aller plus loin. On a tellement de thunes. Qu'est-ce que vous me voulez? Puis il faut dire aussi, grâce à la raffinerie, on paye moins cher. Notre voix est juste. Alors, on va laisser deux soldats ici, c'est pour voir si jamais il n'y a pas de ressources, genre de conneries. Et German qui est là, oui, bah en fait je l'ai fait German, mais au final je crois pas que je vais l'utiliser. Alors, aha! On se fait tous repérer là. Ah non, non, on va s'en sortir! Ils vont s'en sortir. Bien! Finalement ils s'en sortent. Est-ce qu'ils ont de la défense par ici? Ah, là ils ont un... Déjà ils ont une cage de ravitaillement par ici. C'est ici qu'on va devoir attaquer en premier. Il va falloir faire attention aux kamikazes. Ça va pas être simple ça. Non, ça va pas être simple. Allez, à l'attaque! On s'en fout. Allez! Un guerrier est tombé. Allez, venez! Attaque! On sent le bonsoir. Allez! Détruisez-moi tout ça. On va faire le ménage. Leur privé de ravitaillement. Voilà. Ah bah merde, on avait deux soldats ici. Ils sont morts. Vous allez me récupérer ça. Bon. Tout va bien. Comme je l'ai dit, on pourrait presque envoyer une deuxième armée. Rien que pour le plaisir. Réunissez-vous. Un guerrier est tombé. Brouilleur GPS, et allez-y. Non, attendez.
J'ai eu des trucs ici. Je veux les voir. Alors tous ici ne sont pas le brouilleur GPS. Mais disons que c'est déjà pas... Ah, ils ont repéré. Ils n'ont aucune chance. Alors il y a qui est pas invisible en fait? Ah, il y a lui qui est pas invisible, lui non plus. Un guerrier est tombé. C'est pour ça. Ah, c'est pour ça alors que nos deux soldats ont été tués. C'est parce que les bleus essayaient de reconstruire quelque chose. Alors qu'en fait, les bleus, ils ont rien compris. Oui, je sais. Pour moi, les bleus sont morts. Il suffit de les achever une bonne fois pour toutes. Mais on peut pas le faire maintenant. Parce que pour moi, les oranges sont une menace bien plus importante que les bleus. Le poste de commandement. Et à ce moment-là, on pourra considérer qu'une bonne fois pour toutes, les oranges ne sont plus une menace. Voilà, les oranges ne sont plus une menace. Avancez. Allez-y. À l'attaque. À l'attaque. Pas mal de pertes, évidemment. Ça m'est complètement égal. C'est bon. Ils ont détruit mon derrick de pétrole là-haut. Mais je m'en fous, c'était juste comme juste pour le lol. Ça va être plus dur à détruire, ça. Je propose de mettre biscuit multiple à la place. Pareil ici. Biscuit multiple, pareil au lancement. Voilà. Ah, mais il y avait deux quads qui n'ont pas été sélectionnés. Finalement, ils vont m'être utiles. Ah putain! Quelle bande de cons. Voilà. On fait le ménage. Là, il y a pas mal de défense. Mais on va y aller quand même, on s'en fout. À l'attaque! À l'attaque! On s'en fout! L'important, c'est de détruire le bâtiment. On n'a plus que 3 quads. 2 quads. Ça va tenir. Ça va le faire, ça va le faire. Bien. Ah putain, il leur reste des bâtiments, mais je sais pas quoi. Il me faudrait des radars mobiles. Plein de radars mobiles. Pour pouvoir tout scanner. Est-ce que les bleus ont été vaincus? Je dis ça, mais j'en sais absolument rien. Non, les bleus n'ont pas été vaincus. Il va leur rester quelque chose, un truc... Toi, t'es visible? Sérieux? Revenez ici. Ah, il y a German aussi. German. German kill. Là-bas, il n'y a pas de garçon, cela? Autre chose? Je vais y aller. On va voir ce que ça va faire. Vous allez m'être utile, radar de la mobile. Radar mobile de la JLA. Ah ah! Qu'est-ce que je vois là? Et attention! Ok, ça lag un peu, mais tout va bien. Allez! Missions-en. Ah, je voyais cette armée un petit peu plus grande. J'ai peut-être oublié des trucs. Peut-être que ça a été détruit par des kamikazes. N'en sais rien. Protéger le secteur aussi. Empêcher quiconque de construire.
Voilà. On a plein de radars mobiles. On est même capable de construire encore une armée. Voilà. On a plein de tuiles. Sérieux? Ah bah c'est ça alors. C'est bien ce que je disais. Hop, toi aussi t'es visible, alors vas-y, attaquez-les. Un guerrier est tombé. On s'en fout, l'important c'est de reprendre leur bâtiment. Ah ah ah. Oui, j'ai même pas le détruire, c'est quoi, j'ai juste leur piquer. J'espère qu'à ce moment-là, on les aura véritablement vaincus. Est-ce qu'il y a d'autres là-bas? Il y a encore des ressources. Ils ont été vaincus. Dans ce cas-là, German, ne t'approche pas trop. Voilà, c'est que c'est les oranges. Et vous savez quoi, on a récupéré une cage de ravitaillement. On peut donc se le permettre. Ok, il reste une cage de ravitaillement ici. Allez, vous deux, allez rester ici. Allez, courage. Ils serviront de... d'armée de besoin. Rejoignez German. De toute façon, on pouvait rien faire. Alors, on peut pas vraiment se planquer. Alors, qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste pas grand-chose, hein. Ça se trouve, il leur reste un seul bâtiment, en fait. Que je pourrais détruire. Ah, là-bas, ils ont pas quelque chose là-bas? Scan, s'il vous plaît. Scan multiple, paré au lancement. Scan multiple, paré au lancement. Ils n'ont rien. Très bien. Donc, normalement, il ne reste plus que deux bâtiments, celui-là et celui-là. Lancement des scans. On va bien voir. Écoutez, on va bien voir. Des petits massacres, comme on les aime. Boum, 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 boum. On n'a pas encore gagné. Ah ah. On n'a pas encore gagné. J'ai entendu. Je rejoins la position. On n'a pas encore gagné, les amis. Qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi on n'a pas encore gagné? Non, ils... Oui, d'accord, c'est juste un piège explosif. Pourquoi on n'a pas encore gagné? C'est quoi cette... Ah. Ah non, c'était le truc tout à l'heure qui chassait mes hommes. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Je les ai vaincus, nom de Dieu. Y'a plus rien. Oh bordel. Mais y'a quoi, sérieux? Pour moi, y'a plus rien. Je vais pas sacrifier mes hommes contre la défense. Ah. Peut-être les ressources ici? Non, même pas. Ah, il y avait un puits de pétrole ici, je l'ai même pas vu. Bon, je vais pas le récupérer. Ah! Finalement, il s'est rendu. Merci! Ça m'aurait fait chier de les chercher. Et ben voilà, magnifique victoire pour cette deuxième escarmouche, pour les escarmouches du Général Bob sur Command & Conquer Jules Earth Ash. 173 unités créées, 113 perdues, on a quand même perdu pas mal. Faut dire qu'on... ils ont attaqué plusieurs fois et GLA furtive, c'est pas non plus la meilleure des défenses, surtout contre la GLA toxine, hein, qui est quand même assez difficile à affronter. Unité détruite 302, 38 bâtiments construits, 5 bâtiments perdus,
44 bâtiments détruits, on a massacré. On a massacré deux. Pas deux. Deux générales, hein. On a massacré deux générales. Les verts et les oranges. Non, les bleus, pardon. Les bleus et les oranges. Quant aux roses, bah, c'est la GLA orange qui a réussi à s'en défaire. Et ben voilà, donc merci d'avoir suivi cette escarmouche. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et j'espère vous retrouver très bientôt pour la suite des escarmouches des Gérald Bob sur Cameron Conqueror Generals RH. Et à très bientôt sur la chaîne Bob Studio. Merci à tous, à très bientôt. C'était Monsieur Bob sur Cameron Conqueror Generals RH. Pum 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 p